on participe à l'élan collectif d'écologie, voilà, des pollutions des sols bien sûr, et puis on participe à l'animation de notre site de travail. Les arbres c'est la vie, donc on en enlève pas mal pour tout ce qui est les constructions, donc autant en rajouter dès qu'on peut. Donc sur ce site, nous avons 8 hectares, dont 3 hectares d'espaces verts, et nous avons voulu développer la biodiversité sur ces espaces verts. Nous sommes partis de deux constats, de grands espaces, mais également une pollution aux métaux lourds de cette zone, là où on est actuellement. Le procédé de phytoremédiation, c'est la dépollution des sols par les plantes. Et aujourd'hui, on plante donc des peupliers et des sols d'évaniers pour capter les métaux qui sont présents dans le sol et plus tard dépolluer le sol. L'an prochain, on plantera 250 arbres de plus sur ce site même et sur l'ensemble des sites en gestion, donc qui permettent de gérer le réseau TBM. Nous planterons à terme 2500 arbres d'ici 2030.